Eh bien salut à tous les amis, c'est Yvelon 7KT aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senran Kagura. Donc voilà, petite dernière de la session, en espérant que cette fois-ci, ça va être du vrai, ça va être du lourd, ça va être du sérieux. Parce que nous ici on est là pour du sérieux, d'accord. Domine Mirai. Ah, on va jouer avec Omur, école cachée de Ubijo. Ah, on va combattre Omur. Eh ben Omur, danse comme le Lotus écarlate. Je suis désolé de te dire. Elle veut pas rigoler, d'accord. On ne veut pas rigoler, alors on veut y aller au serious business. D'accord, si tu veux y aller en mode serious business, ça peut se faire, hein. Ouais. On va y aller tranquille. Ok, déjà, voilà, ça c'est pour toi. Voilà, ça c'est pour toi. Voilà, il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Tiens. Curé. Sushkin Mekaiha. Ça me fait penser à un chevalier du Zodiac. Tiens. Alors, ce qui est très chiant, c'est que c'est vrai, elle se joue à distance, donc l'IA essaye de me tenir à distance de Mirai, ce qui est un peu embêtant. Je vous l'avouerai, elle se transforme en Shinobi. Je peux le faire aussi. Transformation. Je suis trop dedans, c'est un truc de ouf. Mais je suis vraiment dedans, hein, c'est ça le pire. C'est que je suis vraiment dedans, je trouve ça bien. Moi je l'aime bien ce jeu, vous savez, je l'aime beaucoup. J'ai passé beaucoup de moments à platiner le premier volet. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté ce jeu là, parce que je me suis dit que j'avais passé des trop bons moments sur ce jeu. Je m'étais trop tapé des belles barres. Donc ouais, je peux pas m'arrêter là. Bon, tu veux jouer comme ça? Attends, on va t'attaquer encore un petit peu. Tiens, encore un petit peu. Ah ouais, nous avons fait son gros canon. Allez, vas-y, allez. Shinobi, à mon tour. Enlève-moi des vêtements. L'amour. Ah, elle change pas de tenue au moins. Je pensais qu'elle allait changer de tenue, mais finalement non. Finalement elle ne change pas de tenue. Bim. On va pas s'arrêter là. Ah mais ça a pas touché. Elle est sur des missiles à tête chercheuse. Ah ouais. Tiens, relève-toi, bis. Oh là là, il nous tire. Non, les vêtements. Oh. Mais attends, mais là elle me met la misère là. Tiens, allez. Allez, tes vêtements à toi aussi. Oh. Bah oui, la loli, on n'a pas de respect pour les lolis. On n'a pas de respect pour les lolis. Ah ouais. Il m'a mis mal là. Allez. Tiens, prends ça. Bim. La charge. Ah ben là, là on est d'accord que les vêtements sont totalement partis là. Il n'y a plus rien là. Et moi aussi je veux pas mourir. Bim. Alors, fais attention là. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Tout. Oh non, je l'ai raté. Je suis dégoûté. C'est la merde. C'est la merde. Je
peux pas perdre. Oh oui. Oh mais la chance. Oh. Oh comment je peux perdre. Non. C'est magique. Ah c'est Zoro mon pote, c'est Zoro. C'est Zoro. Ah putain mon pote. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort de rire. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va s'arrêter là pour cet épisode parce que cet épisode était magique. Cet épisode en lui seul suffira à faire une vidéo. Et on va s'en tourner une petite dernière après. Ben oui. C'était Vivoy Block, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, vous c'est les bye, tchuss.